فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc nous sommes arrivés au chapitre des ablutions. En général, les fuqaha devancent le chapitre des ablutions à celui de la salat. Car dans l'organisation logique, les ablutions, elles viennent avant la salat. Et les ablutions, c'est pour se préparer pour la salat. C'est une condition de validité de la salat. Et les conditions, elles sont toujours énoncées avant les actes. Mais il se peut que certains savants énoncent les ablutions après la salat, ce n'est pas un mal en soi. C'est le choix de Cheikh d'avoir fait cette organisation-là. Je pense qu'il a voulu passer par ordre d'importance. Donc il a cité d'abord le tawhid, la aqida, puis la salat, puis les ablutions, puis les caractères, puis les nobles caractères, pour citer les actes par ordre d'importance. Donc ça aussi, c'est un ordre logique qui peut être respecté par certains savants. Les ablutions, al-wudu, donc on parle ici des petites ablutions. Après, on pourra faire un résumé rapide des grandes ablutions. Le cheikh ne l'a pas cité dans l'épître, mais on peut le citer. Il y a, comme pour tout acte, des conditions pour que les ablutions soient valides. Et comme on a dit, les conditions, c'est ce qui devance les actes. Nous avons cité aussi auparavant que nous, ici, nous citons l'avis du cheikh. Et nous expliquons l'avis de Cheikh Ibn Baz. Il y a certains points qu'il cite dans le fiqh, dans les ablutions, dans la salat, où il y a des divergences entre les savants, ou peut-être que nous penchons vers un autre avis que le sien, mais pour rester fidèle à son texte, nous expliquons son avis. Et on peut dire, on peut citer quelques avis divergents avec leurs preuves pour plus de connaissances auprès des frères et des sœurs. Donc la première condition de validité, c'est l'islam. Si un kafir, il fait les ablutions, ce n'est pas accepté de lui. Car un kafir, rien n'est accepté de lui tant qu'il n'entre pas en islam. Et l'islam, c'est une condition de validité de tous les actes. N'importe quel acte qu'une personne fait, tant qu'il n'est pas musulman, ils ne sont pas acceptés auprès d'Allah. Jeûner, prier, donner la zakat, être bon envers les proches, aider les pauvres. Tout ceci auprès d'Allah, ce n'est pas accepté sans l'islam. Tout ceci auprès d'Allah, ce n'est pas accepté sans cette condition qui est l'islam. C'est pour cela que les sectes qui se sont égarées,
qui se prétendent de l'islam, mais qui adorent autre qu'Allah, qui se prosternent pour les tombes, qui invoquent les morts, qui invoquent les anges, qui invoquent les saints, qui font des actes annulatifs de l'islam. Même s'ils jeûnent, même s'ils prient, même s'ils dépensent de l'argent, rien de tout cela n'est accepté auprès d'Allah. Pourquoi ? La première condition de base, elle n'est pas présente pour que tous les autres actes soient acceptés. C'est l'islam. Donc comme l'islam, il y a une manière d'y entrer, il y a des actes aussi qui annulent cet islam. Des paroles, des actes, des croyances ou des doutes qui peuvent annuler cet islam. Inch'Allah, si Allah nous permet, on fera un autre dars quand on finit les leçons importantes sur Nawaqid al-Islam, les actes annulatifs de l'islam, en expliquant, Inch'Allah, ces points-là, car c'est essentiel pour les musulmans de connaître cela. Non. On a déjà fait des isharat quand on a parlé de l'aqida, on a expliqué un petit peu les actes annulatifs, mais sans rentrer dans les détails. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième condition, être saint d'esprit. Avoir sa raison. Par exemple, un enfant qui ne comprend pas ce qu'il fait, on va y venir après, mais un fou, par exemple, qui ne sait pas ce qu'il fait, il fait des ablutions comme ça, sans intention, sans rien, ce n'est pas accepté de lui, parce qu'il n'a pas, il ne sait pas ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, c'est abath. C'est des futilités. Ce ne sont pas des actes compris ou organisés. Non. Parmi les conditions aussi, c'est avoir atteint l'âge de raison. Entre 7 et 10 ans, ça dépend des enfants. C'est-à-dire que quand il comprend ce qu'il fait, il comprend qu'il fait les ablutions, il est capable de mettre une intention, il est capable de suivre l'ordre des ablutions, il est capable de faire la prière sans jouer. Ça, c'est signe de tamyiz. C'est l'âge de raison. À partir de ce moment-là, ses actes sont acceptés. Avant l'âge de raison, il fait tout ce qu'il fait, il ne le fait qu'en copiant ou en jouant. Donc, ce n'est pas accepté de lui. De même, parmi les conditions de validité des ablutions, il y a le fait, ici en français, ils l'ont traduit par « évoquer l'intention ». Est-ce que ça veut dire qu'il faut l'évoquer avec la langue ? Dites-moi. Non. Évoquer, c'est dans son cœur. Ce n'est pas avec la langue. Le fait de dire l'intention avec sa langue, c'est une bid'a. C'est une innovation en islam. Jamais le prophète alayhi salatu wassalam ne l'a fait, ni les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Cinquième condition que le cheikh cite, ne pas décider d'interrompre les ablutions durant la purification. C'est-à-dire quelqu'un il a mis l'intention au début des actes, mais ce n'est pas au milieu de l'acte il dit non, je mets l'intention ferme d'arrêter les ablutions. Si quelqu'un met l'intention d'arrêter un acte qu'il a fait, fermement, ce n'est pas juste un waswas, c'est-à-dire fermement il met l'intention d'arrêter cet acte, c'est suffisant pour annuler cet acte-là. Par exemple, quelqu'un qui jeûne, il n'a ni bu, ni mangé, ni fait aucun acte apparent qui rompt le jeûne. Mais il met l'intention ferme dans son cœur que ça y est, il rompt le jeûne. L'intention ferme, ce n'est pas juste des waswas, des doutes. Ah, je vais rompre. Ah, j'ai envie d'arrêter. Ça compte pas. Mais il met l'intention ferme. Ça y est, à partir de maintenant, je romps le jeûne. Son jeûne est invalide. Wardeh? Non. Parmi les conditions de validité des ablutions, il y a aussi le fait de terminer complètement tous les actes annulant les ablutions. Par exemple, quelqu'un, il va à la selle. Il fait ses besoins. Ou il a des gaz. C'est pas pendant qu'il est en train de faire ça, il peut faire les ablutions. Il faut qu'il ait terminé d'abord. Parmi les conditions de validité des ablutions, c'est qu'une fois qu'il a terminé ses besoins, il se nettoie les deux orifices, ou bien avec de l'eau, ou bien avec des pierres ou quelque chose d'équivalent, d'arrêter l'impureté de sortir. Parmi les conditions de validité des ablutions, utiliser une eau pure et licite. Une eau pure, c'est une eau qui n'a pas changé, dont son état n'a pas changé avec quelque chose d'impur. Par exemple, l'urine, ou les excréments, ou bien une bête morte, el meita, ou du cochon, ou je ne sais quoi. Si une de ces choses-là est tombée dans l'eau, et que ni son goût, ni son odeur,
ni sa couleur n'ont été altérées par cette impureté, cette eau reste pure et purifiante. Al-Qawl Sahih. Après, les savants ont divergé sur la quantité d'eau. Certains ont considéré que si c'est une petite quantité d'eau, même si aucun de ces trois caractéristiques ne change, l'eau est impropre à l'utilisation pour les ablutions ou les grandes ablutions pour se purifier avec. Alors que si c'est une grande quantité, tant que ces trois caractéristiques ne sont pas altérées, on peut l'utiliser. D'autres savants ne différencient pas entre la petite et la grande quantité. Ils disent que ce soit une petite ou une grande quantité d'eau, tant que ni son goût, ni son odeur, ni sa couleur ont été altérées, c'est-à-dire changées par l'impureté qui est tombée dedans, cette eau reste pure et purifiante. Et ça, c'est le qawl sahih, inshallah. Ça, c'est la parole la plus juste parmi les paroles des savants, bi'idhnillah. Quand il a dit une eau pure et licite, quand il dit licite, le cheikh ici, il entend par cela une eau volée, par exemple. Quelqu'un, il vole de l'eau. Ou bien, il utilise de l'eau sans la permission de son propriétaire. Alors, les savants ont divergé sur le statut juridique des ablutions de cette personne. Comme, par exemple, prier avec des vêtements volés. Ou prier dans un endroit pris de force ou volé. Les savants ont divergé sur le statut juridique de cela. Est-ce que cela influe sur la validité de la salat ou des ablutions? Ou cela n'influe pas? C'est haram. Il a fait un péché, mais cela n'annule pas ni les ablutions ni la salat. L'avis de Cheikh, c'est que cela influe. Et ça, c'est l'avis connu chez les Hanabila, dans le madhab al-Hanbali. Que si quelqu'un fait ses ablutions avec une eau volée, ou bien fait ses ablutions avec l'eau de quelqu'un qui lui a pas donné la permission de faire les ablutions avec cette eau-là, ses ablutions, elles sont caduques. C'est pour cela qu'il y a certains, parmi les muftiyin, ceux qui font la fatwa au Masjid al-Haram, à la mosquée sacrée, il dit, celui qui fait les ablutions avec l'eau de Zamzam qui est à l'intérieur de la mosquée, ces ablutions, elles sont caduques. Pourquoi? Parce que les responsables, ils ont interdit de faire les ablutions avec cette eau-là. Elle est faite que pour boire. Et ils ont mis des endroits spécifiques pour les ablutions. Donc attention à ceux qui vont en Umrah ou Hajj. Si on suit cet avis, et on prend l'avis de Cheikh Ibn Baz, celui qui s'amuse à faire les ablutions avec cette eau-là qui est faite pour boire, alors on dira que ces ablutions, elles sont caduques. Non. Parmi les conditions de validité des ablutions, c'est qu'il faut faire disparaître tout ce qui pourrait empêcher l'eau d'atteindre la peau. Par exemple, de la farine, du plâtre, de la peinture pour les peintres, pour les femmes, le maquillage, le vernis, sans parler de son statut. Est-ce que c'est licite de mettre le vernis ou non? Ça, c'est encore une autre histoire. On ne parle pas est-ce que c'est licite ou non. C'est sûr que c'est interdit déjà qu'elle le mette dehors. Certains ulama, ils voient que c'est interdit de le mettre même à la maison. Parce que ça, c'est « tashabbuh bil kafirat wal fasiqat ». C'est ressembler aux mécréantes et aux femmes pervers. Quoi qu'il en soit, nous on parle pas de ce statut-là. Nous on parle de, pour les ablutions. Le fait de mettre du vernis, ça empêche que l'eau touche les ongles. N'est-ce pas? Donc, les ablutions ne sont pas valides. Sauf le hanna. Par exemple, le henné, non. Ça ne dérange pas, car ce n'est pas, comme ils disent, waterproof. Ce n'est pas étanche. Ça laisse traverser. Donc l'eau touche la peau. Par contre, tout ce qui peut empêcher l'eau de toucher la peau, alors il faut d'abord s'en débarrasser et se nettoyer de cette chose-là. Les peintres, barakallahu fikum, faites l'effort de bien enlever toutes les traces de peinture avant de faire les ablutions. Si quelqu'un a fait son maximum et il reste que des mini-traces à gauche à droite, inshallah, ça ce n'est pas nuisible. Surtout pour quelqu'un qui travaille dans la peinture. Comme les savants ont dit, quand une chose elle est très répandue, dans un métier précis, par exemple, alors on est moins regardant sur le détail et la précision. Par exemple, quelqu'un qui travaille boucher, Cheikh Al-Uthaymin donne cet exemple-là. On va lui demander de prier sans aucune tache de sang sur lui. Ça va être difficile, n'est-ce pas? Donc, celui-là, on sera moins regardant sur son cas. C'est-à-dire, il va faire son effort au maximum, mais après, si malgré cela il n'a pas vu quelques tâches, alors Allah tabaraka wa ta'ala, inshallah, ne lui prendra pas rigueur, il ne sera pas pris rigueur sur cela.
bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Pareil pour le peintre qui peint, travaille dans la peinture toute la journée. C'est très difficile qu'il se retrouve sans aucune trace de peinture, même une petite goutte, n'importe où sur son corps ou dans les, au moins sur les membres qui doivent être touchés par l'eau. Mais il fait son effort. Il essaie déjà de peindre avec des t-shirts manches longues, avec des gants, avec un chapeau, une casquette, avec de quoi protéger le corps pour éviter après de perdre beaucoup de temps pour nettoyer avant de faire les ablutions. Surtout si au travail, comme ici maintenant en hiver, quand Dhuhr, l'Asr et le Maghrib ils sont autant rapprochés, ce sera très difficile pour eux. Non. Parmi les conditions, ça c'est spécifique à la personne qui est touchée par Salas al-Baoul ou Salas al-Rih. Une personne qui est malade, qui a toujours des fuites urinaires, tout le temps. Ou bien des fuites de gaz. Il ne peut pas se retenir, il a tout le temps des gaz, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La première chose qu'on va lui dire, c'est d'abord d'aller voir un médecin, voir s'il n'a pas un problème, s'il ne doit pas s'éloigner de certains aliments qu'il ne supporte pas, s'il n'a pas des choses à faire médicalement pour s'éloigner de ça. Si malgré cela, ça persiste, alors cette personne, il a un statut spécifique. On lui demandera de faire les ablutions pour chaque prière obligatoire, juste avant la prière obligatoire, dès que l'heure de la prière obligatoire entre, puis il prie dans son état, même si après cela il a des fuites de gaz ou d'urine, il continue, il finit sa prière, il fait les nafilas avant et après. Ce qui lui sera obligatoire, c'est de faire les ablutions pour chaque prière obligatoire. Mais pour lui, comme Cheikh Ibn Baz ici l'a cité, il devra obligatoirement attendre que l'heure de la prière entre. Il ne peut pas faire les ablutions avant l'entrée de l'heure de la prière, dans son cas spécifique. Pourquoi ? Car il y a, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une femme qui avait des métrorragies, qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les métrorragies, c'est les pertes de sang des femmes en dehors des lochies et des menstrues. C'est-à-dire, c'est les pertes de sang maladifs. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit d'attendre que la prière, que l'heure de la prière arrive pour faire les ablutions pour chaque prière et de prier. Non. Donc ça, c'est en ce qui concerne les conditions avec lesquelles on doit se préparer pour faire les ablutions. Après cela, nous allons citer les actes obligatoires à faire dans les ablutions. Comme on a dit, on va citer ici l'avis de Cheikh, car on suit son épître. Non. Le Cheikh ici n'a pas cité le basmala, le fait de dire bismillah, alors que lui, il voit que c'est une obligation, comme il est venu dans d'autres fatawa. Il voit que c'est une obligation de dire bismillah au début des ablutions pour celui qui s'en rappelle. Mais ici, il ne l'a pas cité dans son épître. Et il dit les obligations dans les ablutions sont au nombre de 6. Se laver le visage, l'intérieur de la bouche et du nez faisant partie du visage. Donc, qui peut me dire quelles sont les limites du visage, déjà? Le visage, c'est d'où à où? Oui. Même batashar. D'abord, quand on donne des limites, on va donner les limites en longueur et en largeur. Donc, en longueur, elles sont d'où à où? Voilà, du début où les cheveux poussent sur le front, au début de la tête, jusqu'à... Non, pas jusqu'à la gorge, jusqu'au menton. Jusqu'au menton. D'accord? Et pour ceux qui ont une barbe, jusqu'au bout de leur barbe. Non. Celui qui est chauve. Non, il commence par où habituellement les cheveux pousseraient. Non. Même batashar, ça ne veut pas dire là où ça pousse obligatoirement, c'est dire d'où. De l'endroit où les cheveux poussent, habituellement. À l'époque, quand il n'était pas chauve, où est-ce que ça commençait à pousser les cheveux? Il commence de là. Non. Ça, c'est en longueur. En largeur? C'est de l'oreille à l'oreille. De l'oreille à l'oreille. C'est-à-dire que le blanc qu'il y a entre les pattes, les cheveux et l'oreille, il doit être lavé. Ça fait partie du visage. Beaucoup de gens négligent ce blanc-là. Souvent, les gens, quand ils font les ablutions, ils se contentent de laver les mains serrées, tout le devant du visage seulement. Ils ne font pas les côtés sur les joues ou entre le blanc, entre les oreilles et les pattes et les cheveux qu'il y a. Et ça, ça fait partie du visage. D'accord ? Fait partie du visage. Quand on a une barbe,
de faire passer l'eau sur tout le long de la barbe. Si cette barbe est légère, au point où on voit la peau à travers, alors il lui sera obligatoire at-tahlil, de la frotter pour laisser passer l'eau à travers et toucher la peau. Si la barbe est épaisse, alors les quatre écoles juridiques voient que ce n'est pas obligatoire de passer les mains en travers de la barbe, mais c'est une sunna, c'est recommandé. Il lui suffira de faire passer l'eau sur ce qui est apparent de la barbe. Ça, c'est en ce qui concerne le visage. Quelle est la preuve qu'il faut laver les visages? C'est le verset du Coran où Allah tabaraka wa ta'ala dit « Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum » Ô vous qui avez cru, quand vous vous levez pour faire la salat, lavez vos visages. Dans Surat al-Ma'idah. Donc, ici, c'est un ordre où Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne de laver les visages. Et en ce qui concerne le fait de faire le madmadat ou l'istinshaq, le madmadat, c'est le fait de remuer l'eau dans sa bouche. Et l'istinshaq, c'est le fait d'aspirer l'eau par le nez. Il y a divergence sur le caractère obligatoire de ces deux actes. Le cheikh, lui, voit que c'est une obligation. Et voit que cela fait partie du visage. Bien qu'il y ait une grande partie de savants qui voient que c'est un acte recommandé dans les ablutions et non une obligation. Il s'est appuyé en cela pour dire que c'est obligatoire dans le hadith de, sur le hadith d'Abu Huraira, rapporté par l'imam Muslim, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'un d'entre vous accomplit ses ablutions, qu'il introduise de l'eau dans son nez, puis qu'il expire. » Qu'il introduise de l'eau dans son nez, puis qu'il expire. Donc ils ont dit ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'ordre de le faire, à l'impératif, ce qui montre l'obligation de cela. Ça, c'est l'avis de ceux qui disent que c'est obligatoire. On ne va pas rentrer dans le détail de ceux qui disent qu'ils ne sont pas obligatoires. Il y a beaucoup de détails en cela. Maintenant, on va parler de la manière de faire cela. Quelle est la manière rapporté dans la sunna pour laver la bouche et le nez. La manière donc que je vais rapporter, c'est la meilleure manière. Mais si quelqu'un fait une autre manière à partir du moment où l'intérieur de la bouche et le nez sont lavés, c'est valable. La manière qui est rapportée, c'est de prendre une poignée d'eau avec sa main droite, d'en mettre une partie dans sa bouche. Et d'en garder encore une partie dans sa main. De la remuer dans sa bouche. De la recracher. Puis d'aspirer le reste qui est dans la main fortement dans le nez avec la main droite. Puis d'expirer en se mouchant avec la main gauche. Et on répète cela 3 fois. C'est ça la sunna dans la manière de faire le madmadatu ou l'istinshaq. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit... Et exagère dans l'aspiration du nez, sauf si tu es en état de jeûne. Donc la sunna, c'est d'aspirer par le nez fortement. Surtout au réveil le matin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté de faire cela au réveil le matin. Et il a même dit que Shaytan, il dort dans le nez de chacun d'entre nous. Et justement, l'istinshaq, ça le chasse. L'istinshaq, le fait d'aspirer fortement l'eau dans le nez, ça chasse le shaitan. Non. La deuxième obligation, c'est le fait de se laver les bras jusqu'au coude inclus. Quelle est la preuve de cela? C'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, et vos mains jusqu'au coude. Ici, en arabe, il peut prendre le sens jusqu'à, et il peut prendre le sens de ma'a, avec. Et ici, quand Allah tabaraka wa ta'ala dit « Lavez vos mains ila al-marafiq », ila ici, c'est dans le sens avec les coudes, c'est-à-dire jusqu'au coude, avec les coudes compris. Comment on comprend cela? Premièrement, dans le Coran, ce sens-là de « ila », il a été utilisé. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit, en parlant de Isa ibn Maryam, quand il dit « Man ansari ila Allah », qui va me donner aide
ilallah. Si tu le traduis par jusqu'à Allah, ça veut rien dire. Qui va me donner aide jusqu'à Allah? Ici, ila, c'est dans le sens ma'a. Qui va me donner aide avec Allah? C'est-à-dire, Allah, il m'aide. Qui va aussi m'aider parmi les créatures, parmi mes apôtres et mes suiveurs? Ça, c'est le premier. Donc, c'est connu dans la langue arabe que ila, ça vient dans le sens ma'a, dans le sens avec. Donc, ce qui prouve que les coudes doivent être lavés obligatoirement avec. De plus, il n'a jamais été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé le lavage des coudes. Si cela a été autorisé, il l'aurait délaissé ne serait-ce qu'une fois pour montrer que c'est permis et que cela ne fait pas partie des obligations. Donc, tout ceci prouve que laver les mains avec, jusqu'au coude, avec les coudes compris, est une obligation. Taïb. Maintenant, la manière de faire. Si quelqu'un commence par la gauche avant la droite, cela n'annule pas ses ablutions, mais il aura fait khilaf al-sunna, le contraire de la sunna, s'il a commencé la main gauche avant la main droite. La sunna, c'est de laver d'abord la main droite, jusqu'au coude avec le coude, puis la main gauche, trois fois. Le visage aussi, on n'a pas dit tout à l'heure, trois fois. La sunna, c'est trois fois. Une fois, c'est l'obligation s'il est sûr que l'eau a touché tous les membres qui doivent être touchés. Mais il a déjà été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait trois fois, deux fois, une fois. Mais c'est que ce qui est recommandé, ce qui est sunnah, ce qui est méritoire et ce qui est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam général, c'est de le faire trois fois. Attention à une chose. Beaucoup de gens, quand ils se lavent les mains au début des ablutions, puis ils se lavent le visage, puis la bouche et le nez, quand ils arrivent à laver les mains avec les coudes, ils ne lavent qu'à partir des poignets jusqu'au coude et ils ne lavent pas la main car ils la voient déjà mouillée. Ceci est une erreur. Et comme on va voir que le tertib, l'ordre entre les obligations des ablutions est obligatoire, donc en faisant cela, la personne annule ses ablutions. Il faut qu'il lave du bout des doigts jusqu'au coude avec les coudes compris après le visage, même s'il a les mains, les paumes des mains mouillées, car il les a lavées trois fois avant de laver son visage, il doit les relaver à ce moment-là, après le visage. Ça, c'est important. C'est une sunna aussi, c'est recommandé de passer sa main avec l'eau, de frotter avec sa main les membres des ablutions, delk, même pour le visage. Sauf, on a dit, pour la barbe qui est légère, ça devient obligatoire. La troisième obligation, c'est le fait d'essuyer sa tête. Le cheikh ici a dit avec les oreilles, car les oreilles font partie de la tête. Essuyer sa tête. La tête, ce qui est obligatoire normalement, c'est d'essuyer la tête. Mais s'il y a des cheveux dessus, alors on essuie les cheveux et ça prend le statut d'essuyer la tête. Les savants ont divergé sur la surface obligatoire à essuyer et à effleurer. Certains voient que c'est quatre doigts, les quatre premiers doigts de la main, an-nasiya, le début de la tête. C'est ça qui est obligatoire. Certains voient, comme Shafi'iyya, même trois cheveux. Trois cheveux, c'est bon. Et al-Malikiyya ou al-Hanabila, ils voient qu'il faut essuyer toute la tête obligatoirement. Du début, d'où les cheveux poussent, jusqu'à la nuque. Et le dernier avis, le plus juste, Inch'Allah. Pourquoi? Premièrement, la parole d'Allah d'essuyer la tête. وَمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ الْبَا ici, de بِرُؤُسِكُمْ. Ceux qui ont dit qu'on n'essuie qu'une partie de la tête, ils l'ont compris. بَا لِتَّبْعِيدُ. Une partie de la tête. Regardez sur une lettre en arabe comment les divergences partent. C'est une lettre sur le بَا. D'autres ont vu que le بَا ici, il n'est pas لِتَّبْعِيدُ. Il n'est pas venu pour dire que c'est juste une partie. بَعْدُ رُؤُسِكُمْ. Mais ça doit toucher. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit en parlant du tayammum, وَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. Donc ils ont dit ici, ça ne veut pas dire que c'est une partie, le tayammum. Pourtant il a utilisé aussi le même terme. Et c'est ça qui est le plus juste. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a été rapporté de lui dans la manière dont il faisait les ablutions, c'est qu'il faisait toute la tête. Il n'a jamais été rapporté qu'il a fait une seule partie de la tête.
Même quand il avait l'imama, il avait un turban sur sa tête, il a passé sur ses cheveux, sur un nasiya, sur le toupet. Le toupet, c'est ce qu'il y a sur le devant de la tête. Puis après, il a fini sur le imam. Donc si c'était pas obligatoire de faire toute la tête, pourquoi il aurait fini sur l'imam? Il se serait suffi d'arrêter sur le début. Donc l'obligation, c'est de passer au moins sur toute la tête, ne serait-ce qu'une fois. Peu importe, de derrière à devant, de devant à derrière, comme on veut. La sunna, c'est de commencer par le devant de la tête avec les deux mains, d'aller jusqu'à l'arrière, puis de revenir jusqu'au devant. Sauf si la personne elle a les cheveux longs. Une femme qui a les cheveux longs, ou un homme qui a les cheveux longs, cela a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il s'est suffi d'aller de devant jusqu'à derrière, c'est tout. Il n'a pas fait le retour, pour ne pas que ses cheveux s'éparpillent et partent dans tous les sens. Donc, si une personne a les cheveux longs, il lui suffira de passer du début de la tête jusqu'à sa nuque. Il n'est pas obligé aussi d'effleurer toute la longueur des cheveux pour les femmes, jusqu'en bas du dos. Non, il leur suffira de s'arrêter à la hauteur d'où les cheveux poussent, de la racine des cheveux. Donc partout où il y a des cheveux jusqu'en bas de la nuque, elle va jusque là. Après, elle descend pas en dessous de la nuque, sur le dos, etc. Si quelqu'un le fait de n'importe quelle manière, de derrière à devant, de devant à derrière, il a fait toute la tête, c'est valable. Mais la sunna, c'est la manière dont on a énoncé, c'est recommandé. Commencer devant et revenir de devant, de derrière à devant. Puis, effleurer directement les oreilles sans reprendre de l'eau avec ses doigts. Comme cela a été rapporté dans les hadiths sahihs, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, après avoir essuyé sa tête, il essuyait directement ses oreilles sans reprendre de l'eau. Comment on essuie les oreilles? Les index, on les rentre dans l'intérieur des orifices des oreilles. Et le pouce à l'extérieur, derrière. Et avec l'index, on nettoie l'intérieur en suivant les tortuosités de l'oreille. Et avec le pouce, on passe derrière l'oreille, d'en bas à, en haut. Voilà la manière d'effleurer les oreilles. De même, ce n'est pas valable le lavage. Quelqu'un qui se lave la tête au lieu de s'effleurer, c'est pas valable. Ce qui est obligatoire, c'est d'effleurer. Effleurer, c'est quoi? C'est qu'on prend de l'eau, on laisse tomber l'eau. Et il reste, les mains, elles sont humides de l'eau qui est restée tombée. Et à partir de là, il passe sur sa tête, de devant à derrière, de derrière à devant, puis sur ses oreilles directement. Certains savants ont dit que s'il voit que ses doigts sont secs, il lui est permis de reprendre de l'eau, comme cela a été rapporté de Abdullah ibn Omar. Donc ça, c'est en cas de besoin. Si en cas de besoin, vraiment, ses doigts sont secs, il peut reprendre de l'eau pour ses oreilles. Taïb. Autre remarque qui est importante. Quand on a parlé de laver le visage, laver les mains jusqu'au coude, on voit beaucoup de gens, ils prennent l'eau à la main, ils laissent tomber l'eau, après ils passent sur le membre. Ça, ce n'est pas valable, ce n'est pas laver, ça c'est effleurer. Il faut laver, pour laver, il faut que l'eau coule sur le membre, que les gouttes d'eau, elles coulent sur le membre. C'est comme ça qu'on reconnaît le lavage, la différence entre laver et effleurer. C'est comme ça que les savants l'ont défini. Laver, c'est que l'eau coule sur le membre. Effleurer, c'est que tu viens avec ta main mouillée et tu la passes sur ton membre. L'eau, elle ne coule pas sur le membre. Surtout pour les pieds. On voit beaucoup de gens par fainéantise parce qu'il ne veut pas laver ses pieds, parce qu'il ne veut pas les lever dans le lavabo. Et il fait quoi? Il effleure, comme les chiens, comme les rafidas. Au lieu de laver ses pieds, il effleure ses pieds. Il prend l'eau, il la laisse tomber, après il vient, il effleure ses pieds. Après, il croit qu'il a lavé ses pieds. Ses pieds, ils ne sont pas lavés comme ça. On parle des pieds, on ne parle pas quand on a des chaussettes ou des choufs. Ça, on va en parler, Inch'Allah. La preuve que les oreilles font partie de la tête, c'est un hadith. Mukhtalafun fi. C'est pour ça qu'en fait, il y a divergence sur l'obligation des oreilles. Est-ce qu'elles font partie de la tête ou non? Ce hadith, ils ont divergé sur la véracité de ce hadith. Certains l'ont rendu acceptable, comme Cheikh Ibn Baz. C'est pour ça qu'il l'a considéré. C'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les oreilles font partie de la tête ». Il s'est basé sur cela pour dire qu'il faut absolument effleurer les oreilles aussi. Ce n'est pas juste une sunna. Puis, se laver les pieds jusqu'aux chevilles incluses. Les pieds, il faut les laver et non pas les effleurer. Dans les pieds, faites attention aux espaces entre les doigts de pied. Souvent, les gens, ils oublient de faire passer l'eau.
le talon. Souvent, il pose le talon sur le lavabo, il lave tout sauf le talon. Après, il enlève le talon, il n'est pas lavé. Une fois, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a vu des gens prier avec les talons secs. Il leur a dit, وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. Malheur pour les talons qui n'ont pas été lavés, qui vont être brûlés par le feu. Et il leur a demandé de refaire les ablutions et la salat. Donc, il faut bien laver le pied en entier avec les chevilles comprises. Et la sunna, c'est de commencer à droite du pied droit. Avec sa main gauche, on frotte à partir des chevilles et on passe avec le petit doigt. La sunna, c'est de passer le petit doigt entre les doigts de pied, puis laver sous les pieds, sous les doigts de pied, sous le pied, et derrière, et le talon. Voilà la manière qui est recommandée pour laver les pieds. On fait ça 3 fois pour le pied droit et 3 fois pour le pied gauche. C'est la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un a fait les ablutions le matin complète, puis a mis ses chaussettes et ses chaussures, au moment de refaire la salat, au moment de refaire les ablutions au travail, chez lui, où qu'il soit, il lui suffira, au lieu de relaver ses pieds, d'effleurer directement sur ses chaussures et ses chaussettes, et il prie. Et il prie avec ses chaussures. C'est une sunna de prier avec ses sandales et ses chaussures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les juifs ne prient pas avec leurs sandales, différenciez-vous d'eux, priez avec vos sandales. Sauf si quelqu'un sait qu'il y a une impureté dessus. Même s'il y a une impureté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un vient à la mosquée, qu'il regarde sous ses chaussures, s'il y a une impureté, qu'il les frotte sur la terre et qu'il prie avec. Pour beaucoup de gens, prier avec ses sandales, c'est comme si c'était un péché. Oh là là, il te voit avec prier avec des sandales, il te regarde comme un shaitan. Alors que c'est une sunna, c'est recommandé. Celui qui prie avec les sandales, il est récompensé pour cela. Bien sûr, vous ne rentrez pas avec vos sandales sur la moquette de la mosquée. Barakallahu fikoum. Ça, c'est partout où il n'y a pas de moquette, où le fait de marcher avec les sandales, cela ne nuit pas, cela n'abîme pas la moquette. Si c'est sur du marbre, sur de la terre, sur des pierres, au travail, où que ce soit, on prie avec nos sandales. Et c'est la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Vous connaissez le hadith de l'Abi Sa'idin al-Khudri, où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pendant la prière, il a enlevé ses sandales. Tous les compagnons ont enlevé leurs sandales. Puis après la salat, ils ont dit au messager d'Allah, on t'a vu enlever tes sandales. Il a dit, c'est Jibril qui est venu m'informer que j'avais une impureté sur mes sandales, alors je les ai enlevées. Regardez comment étaient les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. El-Ittiba, le suivi. D'abord, ils suivaient, après, ils questionnaient. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas ils questionnaient d'abord, après, ils suivaient. Ils ont entendu, ils ont obéi. Ils ont vu, ils ont pratiqué. Après, ils ont questionné pour comprendre. C'est ça la force des sahaba. Ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam enlever, ils ne se sont pas posé de questions, peut-être c'est spécifique à lui, on va lui demander après salat pourquoi. Ils ont tous enlevé leurs sandales. Tous. Et c'est comme ça que le croyant doit être. S'il entend, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait telle chose, il le fait. Avant d'aller chercher à savoir est-ce que son caractère il est obligatoire, est-ce que c'est recommandé, est-ce que j'ai le droit de le délaisser, est-ce que. T'as entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait telle chose, fais-le. Lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir wa dhakara Allah kathira. Aujourd'hui, les gens, ils cherchent les limites. Ils ne cherchent pas le suivi. Ils ne cherchent pas la réussite. Ils cherchent les limites pour marcher toujours au bord des limites du ravin pour tomber dans le ravin de l'enfer. Et souvent, celui qui marche à côté des limites, qu'est-ce qui lui arrive? Il transgresse, il traverse et il tombe. Celui qui veut être en sécurité, il reste loin des limites, très loin. Il laisse une grande barrière, un grand espace entre lui et les limites. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité dans le hadith. Le halal est clair et le haram il est clair. Et entre les deux, il y a des choses équivoques que beaucoup de gens ne connaissent pas. Celui qui a délaissé ces choses équivoques, il a protégé sa religion et son honneur.
Et celui qui est tombé dans ces choses équivoques et douteuses, il est bel et bien tombé dans le haram, comme un berger qui fait paître son troupeau aux limites des domaines privés du roi, il n'est pas loin de voir son troupeau aller paître dans le domaine privé du roi. N'est-ce pas que le domaine privé d'Allah, ce sont ses interdits, etc. à la fin du hadith. Non. Donc, on parlait des sandales et du masah. La condition pour pouvoir faire le masah sur les chaussettes, sur les chaussons en cuir, sur les chaussures, c'est que quand on a mis cette chaussette ou ces chaussures, on avait les ablutions complètes avec les pieds lavés. Je vous donne un exemple. Quelqu'un fait les ablutions complètes, il met ses chaussettes, il met ses chaussures. D'accord ? Arrivé l'heure de la prière, il passe sur ses chaussures et ses chaussettes, il prie. Il n'y a pas de mal. Après cela, il enlève ses chaussures. Il enlève ses chaussures. Et remet ses chaussures. La prochaine fois qu'il fera les ablutions, il ne pourra pas passer sur les chaussures. Il ne pourra passer que sur les chaussettes. C'est clair ou non ? Et ça, il a le droit de le faire 24 heures quand il est citadin et 72 heures quand il est voyageur. À partir du la première fois qu'il a fait le masah, qu'il a effleuré, il a 72 heures encore pour effleurer pour le voyageur et 24 heures pour le citadin. Wadih ? Ça, c'est important. La condition essentielle, comme il est venu dans le hadith de Mughira ibn Shu'bah, où il s'est baissé pour enlever les chaussons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non, laisse-les. J'ai entré mes pieds dedans alors que j'étais en état de pureté. Donc c'est ça la condition pour pouvoir faire le masah, pour pouvoir passer sur les chaussons, effleurer les chaussons ou les chaussures ou les chaussettes. Il faut les avoir mis en état d'ablution complète, les pieds lavés. La manière de faire le masah. Il suffit de prendre de l'eau dans ses deux mains, laissez tomber l'eau. Ne lavez pas vos chaussures et vos chaussettes, c'est juste essuyer, effleurer. Et on passe en même temps sur le pied droit et gauche. C'est ça la sunna. C'est ce qui a été rapporté. Puis il les a effleurés les deux, c'est-à-dire en même temps. Puis il passe le dessus, au-dessus seulement, juste au-dessus comme ça. Et c'est suffisant. Pas besoin de laver toute la chaussette, pas besoin de passer derrière, pas besoin de passer en dessous. Rien de tout cela. C'est une facilité qu'Allah nous a donnée. La cinquième obligation, c'est le fait de respecter l'ordre du lavage des membres. Obligatoire à laver. C'est-à-dire, si quelqu'un lave ses bras avant son visage, c'est pas valable. Si quelqu'un lave ses pieds avant d'effleurer la tête, ce n'est pas valable. Ça, c'est l'avis de Cheikh Ibn Baz et de la majorité des savants. Certains savants voient que c'est juste recommandé. Pourquoi ils disent cela? Car Allah tabaraka wa ta'ala a cité cet ordre-là dans le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné cet ordre-là à cette personne qui ne savait pas faire la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il a fait les ablutions, il l'a fait dans cet ordre-là. Il y a juste un hadith où c'est rapporté qu'il a fait la bouche et le nez après les bras. Comme l'a rapporté l'imam al-Albani dans Tamam al-Minnah. Mais ce hadith-là, justement, les gens s'en servent pour dire que laver la bouche et le nez, ce n'est pas obligatoire, car il a pu le faire après. Et d'autres disent que cela prouve que l'ordre entre les actes obligatoires n'est pas obligatoire, mais seulement recommandé. Wallahu a'lam. Mais l'avis de Cheikh Ibn Baz, c'est que c'est obligatoire. Un des arguments, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, quand il a dit « Ayyuha alladhina amanu » إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Il a séparé les membres qui doivent être lavés par la tête, qui doit être effleuré. Dans la langue arabe, on ne sépare pas des choses d'une même catégorie, sauf s'il y a un objectif derrière. Si l'ordre n'était pas obligatoire, il aurait mis subhanahu wa ta'ala les pieds juste après les bras. Tout ce qui est lavé est cité d'abord, puis tout ce qui est essuyé après. Mais le fait qu'il les a séparés parce qu'il est essuyé, cela prouve qu'il y a une volonté de suivre un ordre dans cela. Ça, c'est une des preuves que les savants avancent, plus tous les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les ablutions dans cet ordre-là, etc. Une autre obligation aussi, c'est le fait de passer d'un membre à un autre sans une longue durée d'interruption. Al-mu'alat, le suivi dans les actes. C'est-à-dire, quelqu'un ne peut pas laver son visage, après il va, il répond au téléphone, il va à l'autre bout de la chambre,
Il dort, il revient, après il fait son bras droit, après il va manger, après il fait son bras gauche, après... Non, il doit suivre entre les actes. De sorte que il ne lave pas un deuxième, il ne lave pas un membre avant que les membres d'avant soient secs. C'est ça la manière dont on reconnaît El Mualat, le suivi entre les actes. Car c'est la manière dont ça a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, et jamais il l'a fait d'une autre manière. Et les ablutions est un acte complet qui doit être suivi. Ce ne sont pas des morceaux d'actes que tu peux faire et les intercouper avec d'autres actions. C'est un acte qui va du début à la fin que tu dois faire pour qu'il soit considéré complet. En ce qui concerne les obligations des ablutions. Pour le siwak, pendant les ablutions, en fait. C'est non. Avant les ablutions, pendant le madmadah ou avant le madmadah. Jazakallahu khairan. Le siwak, la sunna du siwak pendant les ablutions, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est rapporté bil hadith sahiha, c'est qu'il le faisait avant de commencer les ablutions. C'est ça la sunna, ça a été rapporté qu'il le faisait juste avant de commencer les ablutions. Donc on se frotte les dents avec le siwak, puis on commence les mains, etc. At-tayammum. At-tayammum, c'est le fait, c'est les ablutions sèches. C'est ce qui remplace les ablutions quand l'eau n'est pas présente ou comme si elle n'était pas présente, pas accessible. Par exemple, si quelqu'un, il ne sait pas s'il va trouver l'eau avant que l'heure de la prière ne sorte. Il cherche un peu, mais il ne sait pas. Il ne pense pas pouvoir trouver l'eau avant que l'heure de la prière ne sorte. Ça, c'est pas comme ici. Hein. Ici, il y a de l'eau partout. Il y a de l'eau partout, dans les robinets, chez les gens. Tu peux acheter une bouteille d'eau. On trouve des gens, ils rentrent à la mosquée. Oh, il n'y a pas d'eau. Ah, il fait tayammum. L'eau, elle est froide à la mosquée. Je fais tayammum. Tu peux rentrer chez toi faire l'eau d'eau. Si tu n'as pas l'eau d'eau, tu rentres chez toi, tu fais l'eau d'eau. Tu feras... S'il n'y a pas d'eau à la mosquée, tu fais l'eau d'eau chez toi, tu fais salade chez toi. Tu peux acheter de l'eau. Tu peux chauffer l'eau. Il y a des gens, oui. Je ne peux pas faire le rousse, je ne peux pas faire l'eau d'eau, il n'y a plus d'eau chaude chez moi. Chauffe-la. À la bouilloire, au gaz. Les Pakistanais connaissent ça, là, dans les montagnes. Tous les matins, à 3-4 heures du matin, dans une grosse marmite, quelqu'un chauffe l'eau pour tout le monde. Les autres, ils se lèvent, ils font l'eau d'eau. Dans les montagnes, pas dans les villes, alhamdoulilah, ils ont ce qu'il faut. Donc, si on ne peut pas trouver d'eau, un. Deuxième cas, on ne peut pas atteindre l'eau. Comment ? Un prisonnier. Un prisonnier, il n'y a pas d'eau dans sa cellule et il ne peut pas atteindre l'eau. Celui-là, il fait tayammum. Ou bien, quelqu'un, il est entouré par ses ennemis. Il ne peut pas atteindre l'eau. L'eau, elle est derrière, mais les ennemis ne le laissent pas passer. Ou bien, quelqu'un, il est malade. Une maladie qu'il pense que s'il touche l'eau, cela va aggraver la maladie. Ou bien, ralentir la guérison de cette maladie, ou bien même quelqu'un qui n'est pas malade, mais qui pense qu'en touchant l'eau, en faisant les ablutions avec l'eau, il va tomber malade. Il pense fortement, c'est pas juste des waswas. Il connaît de sa personne qu'il est faible, il est fébrile, il fait très froid, il ne peut pas se sécher, il est dehors par exemple, que s'il fait les ablutions avec de l'eau, il va tomber malade. Il craint de tomber malade. Cette personne, il pourra faire tayammum. S'il n'a pas le temps d'être dans un endroit protégé, al-muhim. S'il craint, avant de sortir de l'heure, de ne pas trouver de l'eau avec lequel il peut faire l'eau d'eau sans tomber malade. Voilà les conditions pour faire tayammum. Comment il fait tayammum? Il tape avec les paumes de ses mains le sol. Puis, il passe avec sa main gauche sur le dos de la main droite. Et avec sa main droite sur le dos de la main gauche, et sur le visage. C'est tout. C'est ça, tayammum. Jusqu'au poignet. Il tape le sol. Il peut souffler sur ses mains, comme ça a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou laisser tomber le sable. Puis il a le choix, ou commencer par le visage, puis les mains, ou les mains et le visage, les deux ont été rapportés. Il fait le visage, puis le dos de la main droite et le dos de la main gauche. C'est tout. C'est ça, tayammum. Pas besoin de frotter entre les doigts, sans les coudes, jusqu'au poignet. Oui, mais ça, il n'y a aucun hadith sahih qui rapporte cela. Les hadiths qui parlent des coudes, ils sont daïfs, ils sont faibles.
Tous les hadiths authentiques qui sont rapportés sur Tayammum, ils parlent des mains jusqu'au poignet et non jusqu'au coude. Et ça, c'est la manière de faire Tayammum pour les petites ablutions et même pour les grandes. Et Tayammum, normalement, ça se fait avec de la terre ou tout ce qui sort de la terre qui est pur, sauf l'herbe, les arbres, etc. Non, mais une pierre, al-qawl sahih, c'est permis à condition qu'on puisse poser ses deux mains dessus. On ne prend pas une toute petite pierre comme un savon, on frotte ses mains sur la pierre. Non, il faut qu'elle soit assez grande pour poser ses mains dessus. On tape, on ne frotte pas. La sunna, la manière de faire tayammum, c'est frapper le sol. Toucher, ne pas frotter, pas essuyer. C'est-à-dire, si on a une grosse pierre, on touche la pierre avec les deux mains et on passe sur le dos de la main droite, de la main gauche et le visage. Et c'est tout. C'est une facilité. Alhamdulillah. Même s'il n'y a pas de poussière dessus. Ce n'est pas l'obligation qu'il y ait une poussière dessus. L'important, c'est de toucher sa'idan tayyiba. Par exemple, les sahaba, jamais ils ont permis de le faire sur l'herbe. Jamais ils l'ont permis de le faire sur les arbres. C'est les pierres, la terre, tout ce qui est de la base de la terre, qui fait partie de la terre. Donc la pierre, ça fait partie de la terre. Le sable, ça fait partie de la terre. L'espèce comme de la boue ou de la terre, ça fait partie de ça. Tout ça, c'est de la terre. Sur le mur, non. Seulement si c'est un mur qui est en terre. Comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les murs, ils étaient en terre. Et ils étaient tout, ils collaient la terre. Aujourd'hui, là, tu fais tayammum sur quoi? Sur la peinture, sur le placo-plâtre. Hein? Donc, ça a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait sur le mur d'une maison. D'accord? Mais comment étaient les maisons au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? En terre. Donc, ça fait que la suite de la terre. C'est comme si la terre, elle était soulevée, c'est la suite de la terre. Donc, il n'y a pas de mal, c'est de la terre, comme de la pierre. Non, c'est la pierre naturelle. On ne le fait pas avec une brique, par exemple. Tu ne peux pas faire tayammum avec une brique. Mais des fois, il y a des murs en pierre aussi. Si c'est des murs en pierre naturelle, tu peux faire tayammum avec. Si c'est du marbre naturel, pas synthétique, du marbre, du vrai marbre qui sort des roches, tu peux faire tayammum dessus. Mais le cric aussi, c'est la terre. Non, ça a été cuit, c'est mélangé. C'est pas une pierre naturelle. Ça a été cuit, ça a été mélangé, comme le ciment, comme les parpaings, etc. Non. La peinture, le ciment, les parpaings, non. Tout ce qui est naturel, à son état naturel. Ça ne doit pas être cuit. Non. Est-ce que c'est clair? Bon, il nous reste un chapitre, mais il est tard. Je ne sais pas si on le finit. On finit rapidement. Nawaqid al-wudu, les actes annulant les ablutions. On finit rapidement, Inch'Allah. Premier acte qui annule les ablutions, tout ce qui sort des deux orifices d'évacuation. Al-kharijou min al-sabilein. Sawa an kana al-kubul ou al-dubur. Ce qui sort, ça peut être pur ou impur. Peu importe. Tout ça, ça annule les ablutions. C'est clair? Tout ce qui sort des deux évacuations, ça sort, ça annule les ablutions. Prenez-la comme règle. Deuxième chose, ça c'est l'avis de Cheikh. Toute souillure jaillissant du corps à grande quantité. C'est-à-dire pour lui, il voit que si quelqu'un, il a des grands saignements sortant de son corps, ça annule les ablutions. Car elle a rapporté une parole de Ibn Abbas où il a dit, si le sang sort en grande quantité, il refait les ablutions. Ça, c'est une parole d'Ibn Abbas, bi sanadin sahih. Mais il a été rapporté le contraire. Omar ibn al-Khattab, quand il faisait la prière et qu'il s'est fait poignarder dans sa salate et le sang coulait, il a continué la salate, n'est-ce pas? Al-Hassan rapporte que pendant le combat, le djihad, les musulmans ne cessaient de prier alors que le sang coulait sur leur corps. Il a été rapporté ce Ansari qui surveillait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en salat, il a reçu plusieurs flèches, il les a enlevées en pleine salat, le sang coulait, il n'a pas voulu couper la salat. Donc tout ceci prouve que, Inch'Allah, ça n'annule pas les ablutions. Mais lui, Cheikh, il voit que l'avis d'Ibn Abbas, son avis, il n'y a pas d'autres sahaba parmi les sahaba qui l'ont contredit. Donc, il le considère comme une preuve pour dire que s'il y a du sang en grande quantité qui sort du corps, ça annule les ablutions. Et lui, il dit toute souillure, parce qu'il considère que le sang, c'est une souillure. Ça aussi, il y a une divergence entre les savants. Est-ce que le sang qui sort de l'être humain est une souillure ou non? On va passer les divergences, on va passer dessus pour aujourd'hui. Non. Le fait de perdre conscience, que ce soit en s'endormant ou par autre manière, quelqu'un qui s'endort, même peu, même un petit sommeil léger,
Dès qu'il s'endort, qu'il n'entend plus ce qui se passe autour de lui, il a perdu les ablutions. Que ce soit assis, que ce soit allongé, que ce soit debout, peu importe la position. Dès qu'il s'endort, il perd les ablutions. Car les hadiths qui sont rapportés qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont attendu l'Isha tardivement. Ils étaient assis, puis ils se sont levés, ils ont prié sans refaire leurs ablutions. Ça c'est un hadith sahih. Mais ce hadith, il y a plusieurs versions qui sont rapportées authentiques qui montrent que certains d'entre eux ont refait les ablutions et d'autres non. C'est-à-dire que ceux qui ne l'ont pas fait, c'est ceux qui ne s'étaient pas endormis. C'est ceux qui étaient juste en train, le sommeil ils les prenaient mais ils ne tombaient pas dans le sommeil. Les somnolés. Les somnolés, c'est pas le sommeil. C'est-à-dire que il entendait ce qui se passe autour de lui, il se retenait de ne pas dormir. Amma, celui qui tombe dans le sommeil, il perd les ablutions. Celui qui tombe inconscient aussi, évanoui, il perd les ablutions. Celui qui est sous, il perd les ablutions parce qu'il n'est plus conscient. Il ne sait plus ce qu'il fait. Non. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih, rapporté par Al-Hakim ibn Majah, Abu Dawud et Daraqutni, que l'imam Al-Albani a dit qu'il était hassan, qu'il était acceptable dans Irwa al-Ghalil. Il a dit, l'œil est garant de toute flatulation. Quiconque s'endort se doit de réitérer les ablutions. L'œil, il est garant de toute flatulation. C'est l'œil. Tant que l'œil, il est ouvert, tant que tu es éveillé, ça veut dire que tu sais ce qui se passe. Certains parmi les salafs, ils voyaient que le fait de s'endormir assis, il ne perd pas les ablutions. Et il était rapporté que deux étaient côte à côte. L'un, il s'est endormi, il a perdu les ablutions. Il l'a entendu, celui qui est à côté. Il s'est levé pour prier. Il lui a dit, tu as perdu les ablutions. Il dit, non, j'ai pas perdu les ablutions. Il dit, si, je t'ai entendu. Il dit, non. Parce que lui, il s'était endormi. Donc, ce n'est pas une garantie que quelqu'un soit assis dans telle ou telle position, comme dans certains mazhabs, et on trouve cela, qu'il ne perd pas les ablutions. Non. Toucher avec sa main ses parties intimes, et Cheikh, il voit avant ou arrière. Ça, c'est l'avis de l'imam Shafi'i. Même celui qui touche, lui, il voit cet avis-là. Que les parties intimes avant ou derrière, s'il les touche sans rempart, sans séparation, il perd les ablutions. Lui, il voit même que s'il touche les parties intimes d'un autre, par exemple en lavant quelqu'un, alors ou quelqu'un en changeant l'enfant, ça c'est son avis. Mais l'avis le plus juste, Wallahu A'lam, c'est que seulement si la personne elle touche ses propres parties directement et juste les parties devant. Mais l'avis de Cheikh, c'est pas cela. On a dit qu'on restait fidèle à l'avis de Cheikh, car on explique son livre. Il dit que ce soit devant ou derrière ses propres parties ou celles d'un autre, ça annule les ablutions s'il touche sans séparation. Même d'un bébé. Même d'un bébé. Sur cela, il y a plusieurs hadiths qui sont rapportés. Le hadith de Talq, Ibn Ali, où quand il a prié, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, oh messager d'Allah, j'ai voulu gratter ma cuisse et j'ai touché mes parties. Il a dit, innama huwa bid'atun mink. C'est juste une partie de toi-même. Donc ce hadith, il y a une grosse divergence sur la véracité ou non de ce hadith. Ceux qui le rendent véridique et qui réunissent avec les autres hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui touche ses parties, qu'il fasse ses ablutions. Alors ils disent que le hadith de Talq, déjà, il est faible. Les autres, ils sont plus sahih, ils sont plus authentiques. Ça, c'est une parole. Ils ont préféré les hadiths qui disent qu'il faut refaire ses ablutions. D'autres, ils ont essayé de réunir entre les deux. Ils ont dit, celui qui les touche intentionnellement, il perd ses ablutions. Celui qui touche inintentionnellement, il ne perd pas ses ablutions. Cheikh Al-Uthaymin, il a encore un autre avis. Lui, il dit, c'est recommandé seulement. Celui qui touche ses parties, c'est seulement recommandé de faire ses ablutions et non obligatoire. Et d'autres, ils ont dit, ça dépend de Shahwa. S'il touche ses parties avec plaisir, il fait ses ablutions, sinon non. Wallahu a'lam, toutes ces règles qu'ils ont mises, il n'y a pas spécialement de dalil ou de choses pour bien séparer entre l'un et l'autre. Donc on dit, celui qui touche ses parties, il refait ses ablutions, tout simplement. Car surtout le hadith de Talq ibn Ali, il n'est pas de cette véracité pour qu'il puisse contredire à lui tout seul tous les autres hadiths véridiques qui disent de refaire les ablutions après avoir touché ses parties. Non. Pareil, ce qui annule les ablutions, c'est manger du chameau. Pour le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui mange de la viande du chameau, qu'il refasse ses ablutions. Et si c'est de la viande d'agneau, il le fait s'il veut.
Donc, peu importe les autres viandes, il les refait s'il veut, alors que le chameau, c'est obligatoire. Dès que quelqu'un mange du chameau, il perd ses ablutions. Faites attention, les gens qui vont dans les pays où il y a du chameau, demandez ce que vous mangez. Parce que sinon, comment vous vous levez pour prier et vous n'avez pas les ablutions? Non. Pourquoi on les perd? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. C'est ça la raison. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. C'est la seule raison, c'est ça. Après, est-ce qu'il y a des sagesses derrière? Il y a sûrement des sagesses. Les ulama ont cité certaines sagesses, mais il n'y a pas de certitude sur ces sagesses-là. Mais la vraie raison pourquoi on les perd, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, il l'a légiféré. Comme toutes les adorations, on les fait parce que le prophète Allah Ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont légiféré. Non. Après, certains savants disent que le chameau, il est créé du djinn, et le djinn est créé du feu, donc ça le refroidit. Ça, c'est des sagesses qui sont citées, comme il y a des hadiths sahihs qui prouvent que le chameau, il est créé du djinn. Non. C'est-à-dire, il a le même tempérament que lui. C'est pas il est créé du djinn, c'est-à-dire, c'est son origine. Il a le même tempérament que le djinn, comme on dit, il est incontrôlable. C'est pour ça que tu peux pas faire la salate. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire la salate dans les enclos de chameaux, et il l'a autorisé dans les enclos de moutons. Non. Parmi les choses qui annulent les ablutions, qu'Allah nous en préserve et préserve tous les musulmans, renier l'islam. Quelqu'un qui fait un acte d'apostasie, il n'a plus l'ablution. Pourquoi? Parce que l'apostasie, ça annule tous les actes. Par exemple, quelqu'un, il insulte Allah. Il a perdu ses ablutions. Il a perdu l'islam. Il n'a pas seulement perdu les ablutions. Il n'est plus musulman. S'il se repent, il revient, il se repent et rentre en islam, il n'a plus les ablutions. Donc insulter Allah ou son messager, se moquer d'Allah ou de son messager, ça c'est des mukaffirat, mais ijma'il muslimin. Il y a consensus entre tous les musulmans et sur le fait d'insulter Allah ou le fait de se moquer d'Allah ou de sa religion. Il n'y a aucune excuse acceptable, à part la folie. Quelqu'un il a perdu la raison, c'est-à-dire il ne sait pas ce qu'il dit. Il dit ça, c'est pas avec sa raison. Il est saoul, il dit ça mais il ne contrôle pas. Mais à part ça, la colère, il est content, il n'est pas content. Il n'a aucune raison d'insulter Allah ou son messager ou sa religion. Non. Voilà, on a fini, Inch'Allah. Juste, on va faire une remarque. Le fait de toucher une femme ou toucher sa femme, ça n'annule pas les ablutions. Même le baiser, ça n'annule pas les ablutions. La seule chose qui annule les ablutions, c'est s'il y a quelque chose, un liquide qui sort, après avoir fait un baiser ou touché sa femme, ou même si on ne l'a pas touché, ni avoir fait un baiser. Non. Peu importe, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà embrassé une de ses femmes, il se levait, il a prié. Donc, cela prouve que cela n'annule pas les ablutions. Non. Le fait aussi de laver un mort, le cheikh lui dit l'avis le plus juste, c'est que cela n'annule pas les ablutions, le fait de laver un mort. Sauf si, il dit lui, sauf si sans faire exprès, il touche son, c'est parti. Mais il dit, c'est interdit qu'il touche ses parties directement. Il doit mettre un gant, il doit mettre quelque chose pour le laver. Il ne doit pas les toucher directement. Non. والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وقل رب زدني علما